Oui, je. Très bien. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vois que ça commence déjà à réseauter, magnifique, mais on va commencer la soirée magnifique pour justement la remise des diplômes, enfin des prix pour les lauréats à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc, cette soirée est exceptionnelle, mais vous vous doutez qu'avant le début officiel, connaissant Geneviève Morand, elle vous a prévu des petits exercices ou des petits moyens pour se connaître un peu plus afin de réseauter et de s'entraider. Donc, en attendant que les autres arrivent, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à côté de quelqu'un, si possible, que vous ne connaissez pas. Aha! Ensuite, on va essayer d'oser d'être l'entrepreneur de nous-mêmes et surtout de nos propres talents spécifiques. Donc, on va essayer de se découvrir à l'autre que l'on ne connaît pas. Donc, choisissez-vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ensuite, je vais vous poser une question. Vous aurez 2 minutes 30 chacun pour échanger sur cette question avec la personne en face de vous. Et ensuite, vous changerez de partenaire, comme une danse. Donc là, vous vous connaissez, je pense. Non? Une demi-heure. Oh là là, terrible. Voilà, tout le monde est deux par deux, là. Je vois des gens tout seuls. Allez, un peu de courage. On y va. On est là pour ça, s'entraider, réseauter, se connaître, découvrir nos talents. Allez, allez. Si vous avez des projets, il faut tout de suite s'entraîner à les exprimer. Ça y est, tout le monde, là? Alors là, vous êtes vraiment très, très loin derrière. Vous ne voulez pas essayer? Deux. Allez, on essaye, on fait un petit effort. Et les gens vont nous rejoindre. Alors, première question très importante. Donc, trouvez-vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, les personnes qui arrivent, pour pouvoir échanger. Trouvez-vous une personne. Non, non, là, vous avez mis un siège. Il faudrait justement que le siège se remplisse. Il faut échanger. La question. Question à la question. Quelques secondes avant de commencer tout de suite à parler à votre partenaire. Donc, vous êtes prêts, hein? La première question. Qui êtes-vous? Présentez-vous en quelques mots et surtout votre hobby favori. Voilà, vous avez quelques secondes pour réfléchir et ensuite 2 minutes 30 chacun, je prends le chrono. On y va. La première personne commence à dire qui elle est. Non, ça fait pas 2 minutes 30. Donc, bienvenue au dernier arrivant pour cette soirée, la Suisse des talents. Installez-vous. Voilà, maintenant, vous changez, c'est l'autre personne qui se présente à l'autre. Et surtout, vous n'oubliez pas d'exposer votre hobby préféré. Voilà, nous sommes dans le moment des présentations, apprendre à découvrir l'autre.
Oui, il paraît que je suis trop forte. Ouais. Je projette trop. C'est bien. Tu dis bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver pour le réseautage de la Suisse des talents. Voilà, vous choisissez une personne, etc. Vous pouvez le faire debout ou assis comme vous voulez. Donc ça, ça passe. Changez de partenaire, comme à la danse. Tu sais faire. Voilà. Maintenant, vous allez changer de partenaire, comme dans un cours de danse. Vous pouvez le faire debout, assis. Et je vais vous poser la deuxième question. Allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas. Allez, allez, il faut que ça bouge, là. Avec quelqu'un. Non, je vais vous poser une autre question. Comme ça, vous allez découvrir quatre personnes. Vous vous mettez par paire. Oui. Vous mettez par paire. Voilà, vous avez 2 minutes pour mettre par paire. D'apprenant. Après la question. Voilà, 2 minutes pour se mettre par paire. Ça y est, tout le monde est par paire. Trouvez votre partenaire. Alors, la deuxième question, puis-je avoir votre attention? La deuxième question, nous sommes là justement pour la Suisse des talents. La deuxième question, quels sont vos 3 principaux talents, là où vous excellez, ce que vous faites de mieux et facilement? Pareil, 2 minutes pour exprimer à votre partenaire vos 3 talents principaux. Je chronomètre. Ah ah! Pas si facile. Installez-vous, les derniers arrivés. Mettez-vous à côté de quelqu'un. Et commencez à échanger sur vos 3 principaux talents. Voilà, échanger sur 3 talents importants pour vous. Bienvenue à la Suisse des talents. D'ailleurs, nous devons échanger sur nos talents. Voilà, maintenant vous passez à l'autre personne qui exprime ses talents. 3 talents importants. Allez, trouvez-les vos talents. La Suisse a de nombreux talents, il faut pouvoir les exprimer. Il ne faut pas rester seul, il faut échanger vos talents avec quelqu'un. Avez-vous trouvé vos talents? Très bien, nous allons passer à la question suivante. Pour cela, il faut changer de partenaire. Un petit peu de gymnastique, on change de partenaire. Allez vous mettre à côté de quelqu'un d'autre. Comme ça, vous aurez découvert 4 personnes différentes ce soir. Déplacez-vous. Trouvez-vous un partenaire pour échanger.
C'est bon ? Voilà. Bienvenue à la soirée La Suisse des talents. Installez-vous. Choisissez un partenaire pour échanger sur vos talents. Je vous propose une troisième question. Allô ? Voulez-vous écouter la troisième question pour apprendre à exprimer vos talents ? Je peux le faire en chanson, hein, mais c'est dommage. On y va ? La troisième question, pareil, 2 minutes. Quelles sont les 3 bonnes raisons pour lesquelles vous êtes présent à la Suisse des talents ? Ah, ben oui, pourquoi vous êtes là ce soir ? 3 bonnes raisons, vous échangez 2 minutes avec la personne à côté de vous. 3 bonnes raisons. Faut vous mettre avec quelqu'un. Vous avez déjà quelqu'un? C'est dommage d'être tout seul. Il y a plein de monde. Approchez-vous. Bonsoir et bienvenue. Voilà, échangez vraiment sur les trois raisons qui font que vous êtes là ce soir, à cette soirée spéciale. Vous êtes toute seule ? Approchez-vous, on peut échanger à 3. C'est encore plus riche. Très bien, vous avez trouvé les raisons, vous avez pu échanger.
Maintenant, pour la quatrième question, il faut vraiment que vous vous leviez et que vous échangiez de partenaire. Même moi, avec ma jambe, je suis debout, donc vous pouvez bouger. Changez de partenaire pour vous enrichir de l'autre. Allez, levez-vous, changez de partenaire. Allez voir ce qui se passe chez les voisins. Échangez, échangez vos places. Échangez vos places. À ce que je vois, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Elles se lèvent, elles. Allez les messieurs, échangez de place, soyez pas timides. Ah là, là, félicitations là, quand même. Là, vous n'avez pas bougé, ça fait du bien de bouger devant. Voilà. Donc, je vous pose maintenant la dernière question. Attention. La quatrième question, très importante. Autrement, vous ne seriez pas là. Vous êtes prêts? C'est quel est votre projet ou vos projets au pluriel, si vous en avez plusieurs? Et quels sont vos besoins pour le ou les réussir? Donc, commencez votre phrase par « Connaîtriez-vous quelqu'un qui parlait de vos projets ?» On est là pour ça ce soir. Et la question n'est pas toujours « connaîtriez-vous quelqu'un qui a de l'argent hein, ?» Ça peut être autre chose quand même. Hein. Je sais bien que c'est porteur de projet, ça. Trouvez-en d'autres. Il y a combien de projets dans la salle, là? Vous levez la main, ceux qui ont des projets? Oh, il n'y en a pas? Ah, levez la main, ceux qui ont des projets, si vous êtes là ce soir. Si peu? Ah, oh, vous êtes timide. Apprenez à demander. Demandez. On peut pas vous aider si vous ne savez pas le demander. Donc, entraînez-vous. On est là pour ça ce soir. Ça y est, vous avez pu exprimer vos projets? Alors, il y a combien de projets dans la salle? Moi, j'en ai un, hein? Pas vous? Quel dommage! D'accord.
Comme ça, ils vont se bouger. S'il vous plaît, il faudrait que vous ne laissiez pas de place vide entre vous. Il faut se rapprocher. Pour des besoins, voilà. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous pour qu'il n'y ait pas de place vide. Ensemble, on est plus fort, de toute façon. Ah oui, là, c'est raison. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Tous les sièges qui ont des espaces entre vous, si vous pouvez tous vous installer les uns à côté des autres sans laisser d'espace. Là, je vois des places vides. Voilà. Je vais redonner le micro à Geneviève pour arrêter les discussions. C'est bon, c'est bon. Les gens parlent. Dans 5 minutes, il faut que les gens se... Le don au public.
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien serrer les rangs pour que... On est très nombreux ce soir, donc ne laissez pas de place vide, notamment au centre. Voilà. Prenez place. On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel bonheur de vous accueillir aussi nombreux pour cette première édition de la Suisse des talents. Nous sommes ici ce soir pour célébrer les lauréats de prix et à l'innovation de notre région. Ils sont plus de la moitié, soit 80, à être présents ce soir. Nous sommes là pour les écouter et les aider à réussir leur pari entrepreneurial. Je crois que pour commencer, on peut déjà les applaudir chaleureusement. Merci. Commencer l'année en découvrant ces parcours d'entrepreneurs est un réel privilège. En ayant la curiosité d'estimer le nombre de lauréats de prix à l'innovation et à l'entrepreneuriat distingués chaque année en Suisse romande, jamais nous n'avions imaginé que leur nombre ait plus que doublé en 10 ans. En 2005, la première édition du Swiss Talents for Innovation avait recensé 24 prix distinguant 47 entreprises romandes. En 2013, nous avons recensé 53 prix distinguant près de 119 organisations et 139 lauréats. Cette tendance est révélatrice du bouillonnement créatif de notre région. Avec la HESSO et tous les partenaires, en lançant la Suisse des talents, dont le but est de célébrer ces talents et de rendre visible et lisible l'innovation en marche, notre défi est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs conscients d'être des acteurs du changement, des innovateurs responsables. Alors, cette idée folle de réunir tous les lauréats de prix à l'innovation, et ils sont presque 150, n'aurait pas pu voir le jour sans une mobilisation de tous les partenaires de l'écosystème qui, par leurs suggestions et leurs connaissances du terrain, ont façonné cette première édition. Un merci tout spécial à la HESSO, qui vient tout juste de fêter son 15e anniversaire. Merci à tous les directeurs d'école de tous les cantons romands qui sont présents ce soir. Aux syndicats patronaux, la Fédération des entreprises romandes de Genève et le Centre patronal, à toutes les promotions économiques cantonales de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, du Jura et du Valais, de soutenir tous ces lauréats, de s'être mobilisés et d'être présentes ce soir avec leurs invités. Aux banques cantonales de Neuchâtel et de Fribourg, qui ont tout de suite compris la pertinence de ce projet. Aux membres de l'association Courant 812, qui viennent de Lyon pour mieux comprendre leurs voisins suisses. À The Arc, Fondation pour l'innovation en Valais. À l'AGFI et bref, Rhône-Alpes. On peut déjà aussi applaudir tous les partenaires de ce projet très chaleureusement. Merci à vous. J'aimerais remercier aussi l'équipe des bénévoles, Nathalie Chevalereau, qui vient de lancer son école de comédie musicale à Genève, qui s'appelle ICOM Suisse, les ateliers de comédie musicale. Merci à Xavier Pfister pour la photographie. Merci à Quentin Turf pour la technique et à l'équipe des bénévoles, Elisabeth Golovanov, Lorena Edger, Fanny Moretti, Aline Grelet, Kim Chiknesh, Victor Morand, Laszlo Olivet, Nadia Massarelli et Fabienne Okropen. On les applaudit aussi. Merci mille fois à vous. Alors, quelques informations pratiques que je vous remercie de respecter. Je les répéterai une nouvelle fois à la fin du first. Vous avez remarqué que vous avez reçu des badges bleus ou des badges rouges. Un dîner réservé aux lauréats a lieu dès 19h. Un merci aux personnes qui ont un badge rouge de monter au 8e étage et pas au 11e. J'ai inventé 3 étages à la Fair Genève, si jamais. Il n'y a jamais eu 11 étages, il y en a 8.
Donc au 8e étage, pardon, c'est le petit stress final, de monter tout de suite au 8e étage après la conférence. Et pour les personnes qui portent un badge bleu, de profiter du cocktail réseautage dès la fin de la conférence, ici dans le foyer. Je vous répéterai tout ça à la fin. Merci mille fois de respecter ces instructions. Sachez qu'après cette soirée, vous pouvez suivre l'actualité de la Suisse des talents toute l'année online, c'est-à-dire tous les lauréats 2013, leurs portraits, le guide des prix, coédité avec ZIAR, qui est disponible sur les sites internet de tous les partenaires, ainsi que les modalités de participation. Je passe maintenant la parole à M. Blaise Matet, qui est directeur général de la Fédération des entreprises romandes de Genève. C'est en discutant avec lui qu'est née l'idée de la Suisse des talents. Merci de l'accueillir. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Fédération des entreprises romandes. Il n'y a pas 11 étages, comme ça a été dit. En fait, il y a 4 en sous-sol et 8 au-dessus, ça fait 12. Donc je ne suis pas très innovant, vous le disant. Je ne suis pas très talentueux, mais j'essaie de faire de mon mieux. C'est toujours ce qu'on dit dans ce pays, parce que c'est rare qu'on célèbre les talents. Vous aurez constaté également que la photo ne correspond pas à l'individu que vous avez en face de vous. Mais ce n'est pas grave, on ne peut que s'améliorer. Donc on va innover pour les prochaines éditions, si vous êtes d'accord. La Suisse est un pays riche en talents, si l'on en croit sa capacité d'innovation qui serait la meilleure du monde. Et c'est vrai que sans ces talents, point de renouvellement du tissu économique. Dieu sait si en 85 ans d'existence dans cette fédération, on en a vu des entreprises, et Dieu sait si elles ont évolué. On peut simplement se rendre aux archives de cette maison pour voir combien le tissu économique se renouvelle en permanence. Point d'entreprise, donc, point de salaire aussi pour tous ceux qui travaillent grâce aux talents, grâce à l'innovation. En d'autres termes, point de progrès social. La célébration, je crois que vous le savez, est un art très helvétique et paradoxalement, pour un canton comme Genève, qui ce soir tient cette manifestation, mais qui se veut souvent très frondeur, aussi un art très genevois. Mais la célébration consiste surtout en célébration du passé. Et s'il ne s'agit pas de négliger le passé, les racines étant indispensables à tout arbre qui se veut solide, il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi savoir récompenser l'audace que requiert le façonnement du futur. C'est ce que fait la manifestation de ce soir, à laquelle la Fédération des entreprises romandes Genève est particulièrement heureuse d'apporter son concours et son soutien. J'y vois un signe très fort du lien qui doit unir ceux qui se sont lancés avec succès un jour dans la belle mais exigeante aventure de l'entreprise et ceux qui, marchant dans leurs pas, ont pris la décision de se jeter à l'eau plus récemment. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations à tous, les lauréats, les entrepreneurs, les organisatrices de la manifestation, et de former mes vœux pour la suite de l'activité de tous les talents que cette manifestation entend récompenser. Merci et bonne soirée à tous. Je passe maintenant la parole à Madame Luciana Vaccaro, qui est la rectrice de la HESSO. Merci de l'accueillir chaleureusement, Madame Vaccaro. Voilà, la photo me correspond, elle est assez récente. Mon entrée en fonction il y a 6 mois. Alors, mesdames et messieurs, je suis très fière de vous adresser ces quelques mots au nom de la HESSO, partenaire de ce First Resonance, la Suisse des talents. Certaines et certains des lauréats présents ce soir sont des anciens étudiants de la HESSO et je voudrais commencer par les féliciter par leur esprit créatif et leur sens de l'innovation. C'est aussi une occasion de remercier pour moi le corps enseignant qui est très bien représenté par beaucoup de directeurs de nos écoles qui les ont accompagnés tout au long de leur formation et qui leur ont apporté un goût de l'entrepreneuriat. Maintenant, quelques petits mots sur la HESSO que j'ai l'honneur de représenter. C'est une grande institution qui ne compte pas 11 étages, mais 27 écoles. C'est du sport. 19 000 étudiants et étudiantes dans toute la Suisse romande. Elle dispose donc d'un réseau extraordinaire, 30 000 personnes avec le personnel. C'est déjà une ville un peu éclatée, je vous l'accorde, et c'est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps dans le train, qui est un espace de travail, de réflexion et de création.
Je reviens à ce grand ensemble foisonnant qui est l'HSSO, 6 domaines disciplinaires qui vont de l'ingénierie aux arts en passant par l'économie, la santé et le travail social. Un corps enseignant et de recherche qui est composé par de nombreuses et nombreux professionnels qui sont engagés tant dans la formation que dans des entreprises. Et c'est un univers de diversité et d'innovation qui évolue avec nos étudiants et nos étudiantes. Pour moi, que je suis une physicienne avec un cœur d'ingénieur, l'innovation est un moteur formidable. C'est elle qui booste les recherches menées par nos hautes écoles en partenariat étroit avec le tissu économique régional et local. Nous allons lancer d'ailleurs un prix à l'innovation au niveau master et le premier sera décerné en 2015, pour l'édition 2015. Personnellement, il me semble essentiel de soutenir la force de création et d'évolution qui doit distinguer nos étudiants qui entrent dans la vie professionnelle et seront demain, j'espère, des responsables de PME ou de grandes entreprises. L'HSSO est encore une très jeune institution, puisque, comme ça a été évoqué, comme résonance d'ailleurs, fête ses 15 ans. Et dans ce court laps de temps, elle a passé de 5 000 à 19 000 étudiants. Elle propose aujourd'hui plus de 60 formations au niveau bachelor et master. Et l'HSSO accorde une grande importance à la formation des professionnels de tous milieux confondus et offre avec une offre étoffée de formation continue. L'approche très orientée vers la pratique fait de nos diplômés et nos diplômées des candidats très recherchés dans les entreprises, au point qu'il est parfois difficile de remplir certaines classes de master, tant l'attrait du monde professionnel est fort. Notre rôle, c'est de trouver un bon équilibre entre les étudiants qui continuent une voie de master, comme on les appelle les masters consécutifs, et ceux qui intègrent immédiatement après le bachelor le monde du travail pour reprendre peut-être la formation continue, pour avancer dans leur carrière professionnelle, pour aspirer à des responsabilités plus importantes. Maintenant, je vais me permettre un petit détour sur le plan politique pour une valeur qui m'est particulièrement chère. Nous voterons d'ici quelques jours, notamment sur l'immigration considérée de masse. Si je vous en parle, même si je crois que dans cette audience, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont acquises à cette initiative, je crains qu'elle trouvera un certain nombre de supporters. Je ne m'exprime pas sur la politique migratoire d'un pays qui deviendra le mien bientôt, mais je voudrais juste attirer l'attention qu'un tel résultat serait dramatique pour notre petit pays, qui est champion de l'innovation, qui joue aujourd'hui dans la cour des grands à côté des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. En cas de oui, il est évident que les signaux très clairs que la Commission européenne nous a envoyés deviendraient des mesures restrictives à la mobilité. Mobilité, ça veut dire mobilité de la pensée, mobilité des chercheurs et mobilité de nos étudiants. Une catastrophe, à mon égard, pour l'ouverture d'esprit, l'acquisition de nouvelles compétences et la richesse et la diversité de la multiculturalité. L'objectif de la Suisse des talents est de renforcer l'écosystème économique régional et de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs conscients d'être acteurs du changement. Il est très proche des deux missions fondamentales de la HSSO, qui est celle d'assurer une formation de niveau tertiaire en lien avec le monde professionnel et de soutenir la recherche appliquée proche de la vie économique. C'est donc ce lien qui nous unit. Aujourd'hui, Résonance est la HSSO et nous sommes très heureux d'accompagner cette première édition. Enfin, bravo à vous tous, les lauréats de ce prix, et bon réseautage à toutes et à tous. Et je passe maintenant la parole à Geneviève Morand, qui, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, est la fondatrice de Résonance. Merci de l'accueillir. Dans une réunion de grands vendeurs, le grand crack, celui qui fait depuis 20 ans plus de chiffres que tout le monde et gagne plus en commission que le patron, fait un exposé.
Et maintenant, je vais vous livrer le secret de mon succès. Je l'ai écrit sur une feuille et mis dans cette enveloppe. Mais le succès se mérite. Je vais donc vendre aux enchères cette enveloppe qui contient, vous en avez ma parole, tous les secrets de ma réussite, non seulement dans la vente, mais aussi dans la vie. 5 francs, oui, 10 francs, 100, 130, 150, 1000, 1000, adjugés. À votre avis, qu'y a-t-il écrit sur cette feuille de papier ? Réfléchissez un instant, notez mentalement ce qui vous vient à l'esprit, car je vais vous révéler ce qui est écrit sur cette feuille de papier et qui vaut, à mon avis, bien plus que 1000 francs. Il suffit d'oser demander. Et c'est pour partager ce secret que nous sommes là ce soir. Car si la monnaie d'échange du réseautage, c'est l'information, le ticket gagnant, c'est précisément de savoir demander et oser exprimer un besoin. Le 15e anniversaire de Résonance a été l'occasion pendant toute l'année 2013 de se poser 4 questions fondamentales. Celle de nos valeurs, de notre ADN, de la cause au service de laquelle nous nous impliquons et de la pérennité de l'entreprise. Ce soir, nous avons le plaisir d'annoncer que la plateforme Résonance.ch va rejoindre la Fondation pour la créativité entrepreneuriale. Exit donc Résonance telle que vous l'avez connue pendant 15 ans. C'est une grosse décision et il serait trop long de citer toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette prise de décision et ce changement de cap. Je souhaite ce soir remercier en particulier Quentin Turf, qui a quitté Résonance l'an passé.